Nostalgie et Classique 21. Les classiques de légende. En direct de l'expo, vue à la radio. En direct de l'expo, bonjour Brice de Passe. Bonjour Marc Isaïe, ça y est, voilà. Nous y sommes. Ouais, on y est, c'est un grand moment, c'est historique. Moi je suis complètement ému parce que voilà, nos deux antennes ont fusionné. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Ben, un bilan, c'est que j'ai pas vu le temps passer. Hein. 2 heures, c'est déjà très très vite passé dans la vie d'un homme. Mais quand on a la chance d'être au micro d'un tel événement, donc être sur les deux radios en même temps, Classique 21 et Nostalgie, ben, ça fait un peu penser à ce que c'était auparavant, quand il n'y avait que très très peu de radios, que quelques micros qui permettaient de parler à toute la Belgique. Ici, il y avait en plus cette force de pouvoir commenter les chansons qui avaient été choisies non seulement par les auditeurs de Nostalgie, mais aussi de Classique 21. Donc c'est vous tous qui aviez fait la programmation, qu'on n'a eu qu'à commenter. On était vraiment portés par vous, sur les ondes, par votre programme et aussi par vos réactions qui ont plu de tous les côtés, sur toutes nos pages Facebook, celle de Classique 21, la page perso de Marc Isaïe, la mienne, celle de, ben, bien sûr, de Nostalgie, les Twitter, ça a vraiment fusé de tous les côtés. Et je ne vous parle pas des textos qui sont tombés sur les GSM. En trois mots, que du bonheur avec Fly. Moment historique, hein, ça fait longtemps qu'on attendait ça, parce que ça ne s'était jamais fait. Et c'est d'autant plus historique que la radio a 100 ans, que c'est à cette occasion-là qu'on a décidé d'unir nos forces, nos talents. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux d'avoir participé à cet événement. Il y avait du monde, les réseaux sociaux ont explosé de bonheur, de joie, tout le monde a trouvé ça super. Et on n'a pas vu le temps passer, évidemment, hein, comme toujours. Phénoménal. Stairway to Heaven, c'était sur l'album 4 de Led Zeppelin. Bye bye, merci à tous et merci d'avoir partagé ce grand moment de bonheur avec nous. Brice, bravo. Salut Marc.